Alors comment ça marche? La carte Arduino possède un petit cerveau appelé microcontrôleur. Il n'a pas le QI des smartphones, mais plutôt celui de leurs ancêtres, les premiers téléphones portables. À ce cerveau, on peut connecter des organes, comme une ampoule par exemple. Mais le cerveau est pour l'instant vide. Il n'a aucune idée de comment éclairer son ampoule. Il faut donc le brancher à un ordinateur pour lui transmettre des ordres, lui donner de l'intelligence en quelque sorte. Pour cela, on doit coder, c'est-à-dire écrire des instructions dans un langage que le microcontrôleur comprend. Voici par exemple comment lui dire de faire clignoter la lampe. Il ne reste plus qu'à transférer le programme dans la carte. Le cerveau est alors autonome et dirige sa lampe avec de petits signaux électriques.